Nous sommes. Enfin, je suis. Tout seul. Oh, parce que... Je voudrais pas qu'on trouve un langage hermétique et qu'on me rediagnostique schizophrène, disti machin, mic. Encore que ça rime, hic. Mais bon. Alors voilà. Nous sommes le jeudi 3 décembre de l'année 2020. Il est 3h45. Valéry Giscard d'Estaing est mort hier, mercredi, le 2 décembre de l'année 2020. Un jour du canard. Que celui qui n'a jamais eu de cadeau me jette la première pierre. Elle est pas nous, elle est du canard enchaîné. C'était la première fois que j'avais vu un canard enchaîné dans ma vie. Et c'est là que je me suis rendu compte de la puissance, de la dérision et de la façon de faire passer un message à travers le rire. Le rire permet de traverser tous les puissants firewalls de votre cerveau. Et si ça ne se fait pas tout de suite, ça a allumé une petite mèche, un petit feu, qui un jour, comme les chansons de Jacques Dutronc, Madame l'existence, ou les cactus, vous font comprendre le sens. Tout est corrompu dans ce pays, la corruption a atteint son paroxysme maximum. Et je vous le dis gratuitement, sans monétiser mes vidéos. Je ne suis pas intéressé par l'argent. Même si je suis en situation de surendettement. Chose que tout le monde sait. Alors, en ce qui concerne ma référence sociale, Marie Pollorgue qui m'a fait chanter, et Frédéric Bierry qui probablement veut l'utiliser comme fusible. Frédéric Bierry. N'utilisez pas Marie-Paul Orme comme Jacques Chirac a utilisé Alain Juppé. Ayez le courage de vos opinions, comme moi. Je vous mentionne dans mes vidéos YouTube avec votre nom. Les personnes qui voudront avoir des informations sur vous demain, en googlant votre nom, Frédéric Bierry, auront accès à toutes mes vidéos et auront vu que vous n'avez rien fait pour moi. Si ce n'est me faire chanter, en utilisant Marie-Paul Orme, dont je suis persuadé qu'elle est très gentille. Donc je prends sa défense ici. Moi, j'attaque pas les petits, même si Marie-Paul Orme, à mon avis, elle a un compte vraiment rempli de pognon. Mais elle a fait ça sous votre ordre, à vous, Frédéric Bierry. Regardez-moi droit dans les yeux. Voilà. On est jeudi, c'est un jour des experts, et un expert, j'en suis devenu.